Salut YouTube! Non. Bonsoir YouTube. Non. Dame. Salut YouTube, bienvenue pour ce troisième et peut-être dernier Let's Play sur Layers of Fear. On a deux des pièces de notre tableau. Pardon, 4 sur les 6 qu'il nous faut, à savoir la sous-couche qui est faite avec des os brisés, la toile qui est faite avec de la peau, du sang pour faire, j'imagine, la base de la peinture en rouge, et les cheveux de notre fille qui ont servi pour la réalisation du pinceau. On est parti pour les deux dernières pièces que l'on va aller chercher. J'espère que tu as apprécié. Parti. J'espère que tu as apprécié. Donc sa femme est partie, sans déconner. Les deux premiers let's play, et on est parti pour peut-être la fin avant la sortie du 2. Qui est prévu pour demain. Excellent. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. En rapport avec les dernières élections européennes, je vais aller à droite, mais genre très à droite. C'est un jeu d'horreur, donc tes blagues, on s'en fout. Ok, de toute façon, ça tourne en rond. Tiens, c'est marrant comme la politique. Une porte. Bien sûr. 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 Tournons. Oh putain. Facile à oublier, ivrogne. Délirant. Oh putain. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme pipe dans ce jeu ? Juin, c'est reparti avec cette histoire de rat. Je ne crois pas en avoir vu un seul, mais il pose quand même des pièges partout dans la maison. Il dit qu'il les entend dans les murs et qu'ils sont des centaines. Mon Dieu, j'espère que c'est vrai. J'espère qu'ils vont ramper jusqu'à toi et te bouffer dans ton sommeil. Toi, cruel, narcissique, pathétique, ivrogne. Ouais, je crois qu'elle vrille un peu aussi sa femme, mais en même temps, comment ne pas vriller si son mec pète un câble comme il le fait, quoi. Décide-toi. Non, Foxine, dans quel bois sont faites les meilleures pipes? Les pipes. Non, non, non. Ah non, 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 non. Non, non, sans moi. Oh, on m'a laissé le choix, il faut l'éviter. Le jeu nous a dit de l'éviter. Mais moi, j'y vais pas. Le bois de Boulogne, je suis parti. Ok, super, merci Foxine. Cette blague, vous étiez sponsorisé par Foxine, bien sûr. Ah non, non, non. Non, il y a forcément la clé quelque part. Non, déconnez pas. Hein. Non, s'il vous plaît. Le jeu, me faites pas croire que je peux éviter la dame. Elle est encore là, la grande dame. Ok, je peux éviter la grande dame. Où est ? Bah là en fait.
C'est un rat. Et il n'existe pas. Je dois le suivre. Je te suis. Là on pouvait monter dessus, là on peut pas. On peut pas le bouger non plus. Le chat. 4. Le chien. Et il y en a 2. Et il y en a 3 en fait, ok. Neuf. Le chat c'était 4, hein. 4, 9 et le rat. 4, 9, 8. Bison Eyeblade. C'était pas ça. Ah mais attends, peut-être que c'est pas dans ce ordre là. Merde, 9, 8, 4 peut-être. Ok. 9, 4, 8. Regarde le mur. Non. Le chat. Ah mais il y avait 3 trucs, attends. 1. Mais attends, mais ils ont tous des... La commode à côté de la porte. Non, il n'y a rien. Attendez. Le chat, on a un premier trait qui part, qui descend. Ah le salaud! Qui va sur le 3. Ah c'est un 3. 3. 3. Ok, le deuxième trait va sur le 4. Et le troisième va sur le 1. Si je fais 3, 4, 1. Ah mais que les chiffres pour le rat, mais oui. 6, 8, 7. Bien vu. Putain, qu'ils sont forts! Qu'ils sont forts. Oh, suis-je nul? Yes! Yes! Est-ce que j'ai le choix? Non! Oui? Oui? Oui! Oh, une lettre! Cette musique. 19 juillet, en jugé, le silence dans toute la maison, je pense qu'il s'est enfin endormi. Sans doute entouré de bouteilles vides et de lambeaux de toile, ses compagnons de couche préférés. Chaque fois que cela arrive, je prie pour que ce soit la dernière, je prie avec ferveur, avec passion. Seigneur qui êtes aux cieux, faites qu'il s'ouvre le crâne et que la pourriture en sorte. Faites qu'il s'ouvre les veines sur le verre et que la bile rouge en coule. Faites qu'il s'étouffe dans son vomi, qu'on puisse enfin trouver la paix,
car sinon, je vais finir par trouver le courage de descendre les escaliers et le faire moi-même. Vous savez mieux que quiconque que ce n'est pas l'envie qui manque. Amen. Ça va, toi ? Les musiques sont tellement ouf. Oh, ce si beau parquet, ça vaut cher dans les Sims. C'est ça, après Mimi, quand elle en a marre que je joue à WoW jusqu'à 4h du mat. Ce matin, elle me réveille à 8h30 et tout. Enfin, je me réveille à 8h30 avant qu'elle parte. Elle me dit, tu sais coucher à quelle heure? Je dis, bah, 4h. Elle me dit, ah non, mais faut arrêter ça. Je dis, non, mais t'inquiète, c'est juste cette semaine parce que comme on part le week-end prochain, je bourre un peu les streams, quoi, j'en profite. Mais je me coucherai pas à 4h tout le temps. Firewatch, ouais. En termes d'ambiance, tout à fait. Je l'avais pas fini ce jeu. Intéressant, plein de commodes. Yes. Non. Yes. Ouais. Salut. Désolé pour ce long silence, mais j'ai eu beaucoup de travail. Je dois dire que ta dernière lettre était troublante. Je n'en reviens pas qu'elle puisse mettre le feu à tes vieilles peintures. Pourquoi faire? Surtout la femme en noir, c'était ton hommage à elle, non? Je sais pas quoi te dire, sauf que tu devrais lui trouver une aide professionnelle, et vite. Et pour toi aussi, avec tout ce qui vient d'arriver, ça te ferait vraiment du bien de parler. Inutile de préciser que l'acheteur était vraiment déçu par la nouvelle. Tes nouvelles pièces ne se vendent pas aussi bien que les classiques. Bref, je vais continuer de chercher. Tiens bon et reste concentré sur ton travail. Je sais que tu peux y arriver, je crois en toi. Ton ami et agent, Thomas Caldwell. Pas moi. Je crois en toi, pas moi. Yes ! Croyez en vos rêves, comme disent Big Flo et Oli, qui par deux fois ont rempli le stade de Toulouse. Hein ? C'est-à-dire deux fois de plus. Allez ! Deux fois de plus que le TFC, hein, le Toulouse Football Club. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. On va donc s'attaquer au chien. Salut virus. Oh, il est bourré, man. Il est plein de mort. Allô? Allô? Pris une bonne cuite là des fois. Okay, donc ça c'est bien ce qu'on a trouvé. Ouais, je pense qu'il a bu un petit coup hein. Sauron. Ouais bah ça. Ok. Non, je n'ai pas peur. Trace ta route. Est-ce que ça en vaut la peine? Bien sûr. Oh non, pas lui. Bien sûr que ça en vaut la peine. Oh là là.
Oh là 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 là. Mais non. Une manivelle, je viens de ramasser. À quoi elle servirait? Je pense qu'on va vite la prendre. Je suis sûr que ça vaut la peine de découper sa famille pour un tableau. Quelle question? Bah non, mais sans déconner. De te retourner pas. Ok, ok, ok. Succès déverrouillé, instinct de préservation de soi. Je pense qu'il y avait ma femme derrière moi, je voulais juste pas voir ça quoi. Non, 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 je me retourne pas. Non, non, c'est non, non, non. Douleur fait des miracles. C'est la chaîne du chien, je sais pas. Je sais pas, c'est, ça devient chelou là. Yes, salut poteau. Ah, et sa femme qui chiale derrière, putain. J'ai pas aimé celui-là. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Oh putain. Attendez deux secondes. Je respire, désolé YouTube. Il y avait une porte ici avant, oui, bah oui. J'espère que Mimi t'a mis la couche ce matin. Ouais, ouais. On va monter, hein.
Non, c'était pas le chien, non. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Cord ran down. Hickory dickory dock. Ok. Ça, gros, la boisson. Ça te perturbe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on sera tous. C'était ma femme. Ouais, Jaco, j'ai testé Mando. Il est vraiment très cool. Il est très 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 cool, Mando. On est déjà venu dans cette... Bah, c'est notre bureau. C'est notre bureau. Donc on connaît. Un téléphone. Ok. Certaines peintures sont au-delà de tout mot et encore plus de la critique. Une connaissance basique du sujet est obligatoire si on veut ne serait-ce que tenter de les comprendre. Babyface est une de ces peintures. Cette anomalie artistique attire des dizaines de milliers d'amateurs de médiocrité et de connaisseurs du dimanche en art abstrait. En vérité, elle ressemble à ce qu'aurait fait un peintre instable pendant un week-end marathon artistique, enfermé dans une cave. La peinture excelle de laideur, sans parler de l'horrible technique. Nice, merci la presse. Commence à y avoir des petites compètes sur Mordo, sérieux? Ah. Putain, y'a... 3-6-3.
Ah, les ambiances sont insane. What the fuck? Je peux pas sauter, je vais crever. Je crois qu'il faut que je saute, hein. J'ai pas le choix, hein. Quoi, Supra? Où est-ce que t'as vu ça? Fallait pas que je saute, du coup. C'était écrit sur la table en bas. Merde, j'ai pas vu. Ok, my bad. Je me suis précipité un peu. Ça a changé. Ah mais on revient quand même au dernier étage, ok. Ah oui, 8-5-3. Ah mais je l'avais pas du tout vu. Et voilà, 8-5-3. Ah mais du coup c'est nous qui le faisons tomber. Est-ce qu'on va se voir en face? C'est trop bien fait, c'est un truc de ouf. Genre la mise en scène elle est insane. Enfin, oh là là, c'est vertigineux. Voilà. Imagine ça en vert, non. Non, en fait. Non, je ne l'imagine pas en VR. Ah merde. C'est quoi la clé ici? Quoi la solution là? Ah. 354, ok. Le téléphone a repop. Oui. Oh Yumeno! Merci beaucoup pour ton prime Yumeno! Bienvenue! Oh la va.
Ah, y a un délire avec ce téléphone, c'est abusé. You deserve this. All of it. All of it. All of it. Est-ce qu'elle a changé la lettre sur le babyface? Non. Ok. Ok, donc il y a un truc à voir dans la pièce. Là c'était le passage secret, là il y en avait un autre mais il a disappear. Ah bah le téléphone. I needed something to add the... How should I put it? Final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Donc, on est d'accord que c'est son doigt qui l'a pris, hein. Trial and error. Essaye et échoue. Non? Wow. Mesdemoiselles, messieurs. Ouais, comme c'est beau. Genre c'est le portrait de sa femme. Donc là on a la cinquième pièce et il nous reste la sixième à aller chercher. Ok. Bah let's go hein. Apprendre par l'erreur. Ok. Une femme qui tient Voldemort. Les loves sont bien, mais quoi, c'est quoi les loves, tu prends? On a presque plus de pommes. Yes. Ah, les Layers of Fear, oui. Ça, ça ne fait aucun doute. Ok. Rien de nada de cutchy de pot de balle. Mais bon, c'est vrai que ça manque un peu de pommes. Enfin, genre, va falloir en racheter quoi. Il y était une fois un homme plein de passion, puis pour sa femme il finit par manquer d'attention. Elle avait l'allure désordonnée, mais aucun regard ne fut échangé. Cet homme, elle le haïssait avec passion. Spiritu Santi. Amen ora grivori. E veda. Errati.
C'est la première fois qu'on voit une fenêtre ouverte. Ok. Des os. C'était donc notre femme. Elle n'a pas l'air de bonne humeur. Non ? Yoshi pour les 6 mois. Pour les 2€, Yuri. C'est tout. Is that her? Oh God. Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face. Her hands. She will be devastated. Sa fille? Ou sa femme? En cendres, tu auras ce que tu mérites. Sa fille. Sa femme a mis le feu à sa fille. Est-ce que tu arrives encore à peindre ? Cher monsieur, ma femme serait ravie de jouer à votre mariage. Veuillez nous téléphoner ce soir afin de discuter des détails. Notre numéro est 363-853. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Belbit ! Bonjour, j'ai posté un petit pouce bleu sur YouTube parce que peu importe ce que tu fais, moi je t'aime. Merci beaucoup The Flamby ! Merci beaucoup pour tes Belbit. Merci infiniment, merci du soutien. 363-853. De Ouija, supra padrouillard. Il manquait le dernier numéro ? Merde. Ah oui, donc. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Novembre, je crois que je devrais être heureuse. Alors pourquoi ne le suis-je pas ? J'ai une fille magnifique, je le pense, je le sais. Alors pourquoi est-ce. Pourquoi est-ce impossible de la regarder sans me sentir malade ? J'avais un mari aimant avant, formidable, sensible. Maintenant, tout ce que je vois, c'est un homme étrange qui ne se préoccupe que de ses peintures, comme si elles étaient importantes. C'est tellement inutile, la musique m'aidait, mais ce n'est plus le cas. Tu as appelé 3 numéros, ouais.
Ouais, mais je me souviens pas du dernier. De la dernière suite de chiffres. Putain, elle met le feu. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? 3-5-3, c'était? 3-5-4. Croissance de vermine, cancer de la maison, odeur nauséabonde, oh mon dieu les bruits. On revient encore dans la salle de bain. Il y a un couteau. Mec d'intouchable. Ah putain, je croyais que c'était une cartouche de fusil le truc vert. Sérieux? What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh god. No. No, 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 what have you done? No! Je pense que sa femme s'est donné la mort. Ouais, sa femme a dû se suicider. Someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher,
a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Donc le dernier ingrédient est un œil. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs... Ah, ça vient de disparaître. Mais j'ai la dernière pièce. Mais je veux finir mon œuvre. Mais... La caméra tourne toute seule, c'est bizarre. Petite partie de dame. Ok. Et après, il y en a un autre peut-être ? Non, là on a déjà fait. Un autre jeton quelque part ?
Avec qui es-tu en train de jouer? Je sais pas quoi. Je sais pas, c'est full drogue depuis tout à l'heure. À mon avis, on a été en teuf et on est pas rentré tout seul. Hein. Je sais pas l'intérêt des jetons, Anto. C'est un élément qui nous suit un peu depuis le début. Enfin, on en croise de temps en temps. On les ramasse, il se passe des choses, mais je comprends pas encore que représentent les jetons dans le jeu qu'on vient de faire. Ah, la cuisine vient d'apparaître. En fait, on est en train de recomposer sa maison avec les jetons. On vient de ramasser un truc. Salut là-bas. Mais je sais pas vraiment ce qui... La signification qu'ils ont. Comme là par exemple, hein, j'en trouve pas. C'est sûrement une explication, mais faudrait quelqu'un de défoncer. Ouais, c'est ça. Ah là, il y en a. C'est du poker en fait. On a perdu la boisson. La boisson qu'on avait en inventaire, on l'a perdue. Et on a désormais plus que l'œil. Extrêmement violente comparée à tout le reste. Allez, on va poser la dernière touche du tableau, les amis. Après la peau pour faire la toile, après le sang pour faire la base de la peinture, après les os que l'on a brisés pour faire et mélanger de la peinture blanche pour faire la sous-couche, après les cheveux de notre fille qui nous ont servi pour le pinceau, et enfin après le doigt qui nous a servi je ne sais pas trop à quoi, on ajoute l'œil de notre femme. Yes, that's it. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. So close. This time, I almost had it. C'était donc ça la pièce verrouillée. Il n'y a que des beaux portraits de sa femme en fait là. Est-ce qu'on est dans la réalité ?
On doit être dans la réalité vu l'état de la maison. Le livre de photos a disparu. Je comprends que tu sois ce que tu dois ressentir, perdu seul sans espoir. Tu mérites totalement, mais même pour toi, il y a encore un moyen de te récupérer. La seule chose importante que tu aies désiré, terminer. Bah putain! Mais du coup, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est qu'en fait, il est fou et il veut dessiner sa femme à chaque fois, sauf que il a l'impression qu'elle le hante et qu'elle apparaît comme immonde, mais en réalité, il la dessine bien à chaque fois, c'est ça. Oui, c'est une boucle. Il est dans son enfer personnel. Ouais, c'est ça. Mais alors, en fait, c'est lui qui a tué sa famille. Et pourquoi il lui manque une jambe ? Est-ce qu'il a pas, dans une boucle précédente, utilisé sa jambe au lieu du doigt comme il a fait là, tu vois ? La conclusion, la drogue, c'est mal. Non mais putain. Quel truc. Quel truc de fou. Eh ben. Donc voilà YouTube. C'était Layers of Fear 1. J'espère que ça t'a plu. Sache qu'il est en promo sur Steam en ce moment pour 3 fois rien. Très exactement, je vais te dire. Page du magasin. Il est à... Ben il est pas en promo. Ah si. Il est à 5,47€ avec Observer, qui est un autre jeu de la Bloober Team. Donc voilà, merci à toi d'avoir suivi ce let's play. On se retrouve très vite pour le let's play sur Layers of Fear 2. Bisous! Salut YouTube!